Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, petite astuce du jour. Quelque chose souvent qui pose problème aux gens, c'est de pouvoir dégauchir des bois ou mettre des champs d'équerre sur des planches qui sont beaucoup plus longues que les tables d'entrée et de sortie de votre raboteuse dégauchisseuse. Alors ici, je suis occupé donc à dégauchir des limons d'escalier, d'accord? Donc pour dégauchir les limons, moi je mets tout simplement un établi devant et derrière ma dégauchisseuse, en sachant que mes établis, ils ont été réalisés à la même hauteur que toutes mes machines. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important, il faut le savoir. Quand vous faites du mobilier dans votre atelier, idéalement, c'est que tout ce mobilier soit à la même hauteur que vos machines, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va vous faciliter la tâche quand vous devez prendre des grands panneaux. Par exemple, vous pouvez le positionner sur vos établis et venir le faire glisser sur votre panneauteuse éventuellement. Mais quand vous avez des bois à dégauchir en l'occurrence ou à passer à la toupie qui sont beaucoup plus longs que les tables de toupie ou de dégauchisseuse et qui peuvent faire une bascule avec le poids du bois lui-même, et vous n'avez pas suffisamment de force que pour le maintenir, ça permet de maintenir votre bois de part et d'autre tout en gardant la même hauteur et donc ne pas créer de décalage entre les uns et les autres. Donc ça, c'est quelque chose d'important quand vous faites du mobilier, toujours penser à ça, le faire à la même hauteur. Ensuite, toutes vos machines, pareil, quand vous les installez dans votre atelier, arrangez-vous pour qu'elles soient parfaitement de niveau et toutes à la même hauteur également. C'est une chose, c'est une précaution à prendre dès le départ quand vous installez votre atelier. D'accord? C'était pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est savoir comment donc dégauchir ou mettre un champ d'équerre quand vous avez une planche qui fait banane, donc vous avez vraiment un creux et que vos tables ne font que 1 mètre ou 1 mètre 50 et la planche fait 4 mètres 60. Donc je vais vous expliquer comment je procède. Allez, c'est parti. Et donc ici, en l'occurrence, la planche, on a une flèche sur ce champ-ci. La planche fait comme ceci, d'accord? Et on a une flèche de X centimètres ou X millimètres. Alors comment la déterminer? C'est assez simple. D'abord, on va venir installer un clou d'un côté de la planche, d'accord? Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on vient y installer un clou sur le champ, peu importe à l'endroit. Et puis on vient installer une ficelle, donc on vient tendre une ficelle entre ces deux clous pour déterminer justement la distance que l'on a entre le bois et la ficelle. Donc ici, par exemple, en l'occurrence, moi, la distance que j'ai entre les deux, elle est de 5 mm. Donc, une fois qu'on a déterminé cette distance de flèche, comme vous venez voir, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on va faire l'inverse. Donc, la ficelle, là, on l'avait positionnée sur les côtés du bois pour déterminer la flèche. Maintenant, on va reporter cette distance sur les deux pointes de cette flèche. Je m'explique. Donc, on va venir installer un clou ici en bout de planche qui se situe plus ou moins à 5 mm du bord, d'accord? Mais par contre, ce qui est important, c'est que l'intérieur, donc la partie droite de la ficelle, lui, se situe à 5 mm du bord. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc ici, pareil, ma ficelle est située à 5 mm du bord. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va Donc, elle va évidemment tout le long, hein. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va longer l'intérieur de la ficelle, puisque c'est l'intérieur de la ficelle qui se situe à 5 mm, et les 5 mm correspondent à notre flèche. Donc, si vous avez une flèche de 1 cm, évidemment, vous mettez votre ficelle à 1 cm, hein, d'accord? Et ensuite, on avance, et au moment de la jonction, donc ici, voilà, l'intérieur de ma ficelle est en jonction avec le bois. Ça veut dire que c'est la déformation, elle se situe jusque-là. Là, je fais un trait sur mon bois. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, l'intérieur de ma ficelle se situe à 5 mm. Donc, la partie, hein, de ce côté-ci est à 5 mm. Et je viens de nouveau m'aligner jusqu'à, hop, voilà. Ici, on voit bien l'intérieur, donc ce côté-ci, donc on voit bien l'intérieur de la ficelle de ce côté-ci qui est à fleur du bois. Je refais un trait. Voilà, donc une fois que ces deux traits sont faits, j'ai déterminé en fait la distance où le défaut se situe sur ma banane. Maintenant, je vais passer à la dégauchisseuse et je vais reprendre en partie avant jusqu'à mon trait,
une passe ou deux passes, selon justement le réglage de prise de votre dégauchisseuse. Donc si par exemple c'est 1 mm, ben vous pouvez faire 5 passes. D'accord ? Si vous avez réglé de 3 mm, vous pouvez faire une passe, laisser couler, et puis on repasse l'autre côté du limon jusqu'à l'endroit du trait. Donc on passe au-dessus de l'arbre, on vient poser au niveau du trait et on refait une ou deux passes de nouveau en fonction du réglage qu'on a sur notre machine. À partir de ce moment-là, étant donné qu'on a rectifié l'avant et rectifié l'arrière de notre banane, on a quelque chose de plus ou moins plan. À ce stade-là, on n'est toujours pas parfaitement plan. Ensuite, on recule tout notre limon et on fait une passe complète pour pouvoir venir amener un champ parfaitement rectiligne. Donc, je prépare la dégo et je vous montre tout ça. Voilà, donc ce que j'expliquais, arrivé à cette distance-là, vous imaginez, voilà le porte-à-faux, le poids de la planche, donc c'est impossible de maintenir seule la planche là-bas. Donc tout l'intérêt d'avoir du mobilier ou éventuellement une servante à rouleau. Le problème de la servante à rouleau, c'est que ça va faire glisser, selon l'orientation de votre rouleau, votre planche vers la gauche ou vers la droite. Or ici, on doit mettre le champ d'équerre, donc je dois être parfaitement plaqué contre mon guide perpendiculaire. Ok ? Donc voilà. Donc ici, je vais venir mettre mon deuxième établi derrière. Je vais vérifier l'alignement parfait entre les tables d'entrée et de sortie et mes établis, à savoir que j'ai des roulettes et des pieds réglables sous mes établis, donc il est sur roulette permanente, et j'ai des pieds réglables quand je suis en fixe pour ce genre de choses. Ce n'est que quelques fois l'année, mais ça arrive. Donc voilà, donc pour vérifier maintenant que le champ est bien d'équerre et est parfaitement rectiligne, on va remettre un clou d'un côté, un clou de l'autre, retirer une ficelle, mais cette fois-ci, on va venir y insérer une cale de 3 mm d'un côté, 3 mm de l'autre, ça peut être 4, ça peut être 5, peu importe, mais il faut 3 cales de la même épaisseur. Alors pourquoi est-ce que je mets des cales ? Ben tout simplement parce que si j'avais fait une contre-flèche, donc une banane dans l'autre sens, malheureusement, ben d'office, ma ficelle aurait été tout le long de mon bois. Mais donc, j'aurais pas pu le vérifier. Tandis qu'en mettant une cale d'une épaisseur d'un côté et de la même épaisseur de l'autre, toute la distance entre mon champ et ma ficelle doit être identique. S'il n'est pas identique, alors de nouveau, c'est que mon champ n'est pas parfaitement rectiligne. Et donc, je dois refaire une passe éventuellement. Par la même occasion, je vous montrerai, je vais faire un petit rush, je suis parfaitement d'équerre tout le long. Donc ça, c'est important aussi. Donc maintenant, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre sur son champ, je vais ouvrir ma dégauchisseuse en position raboteuse et je vais raboter donc mon limon pour avoir pile poil la même épaisseur
et donc j'aurai un limon parfaitement corroyé. Voilà. Donc j'espère que cette petite astuce ou cette petite méthode vous aura appris quelque chose. Et puis donc je vous dis à demain pour de nouvelles astuces. Allez, salut !